messieurs, bonsoir. Et vous êtes en direct comme ça du Regard Afrique Télévision. C'est votre émission Regard exclusif. Nous allons nous balader pendant 52 minutes dans une édition riche en couleurs avec un invité qui, une fois, est déjà passé sur ce plateau dans le cadre de notre journal de 13h. Il est le promoteur du Mercato, alors du Café du Tourisme. Il est aussi le directeur général, tout simplement, de l'entreprise Go Africa Business. C'est Kléber Biboum. Monsieur Kléber Biboum, bonjour et bienvenue sur Regard Exclusif. Bonjour Joël et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie. Voilà, vous êtes déjà, comme on dit souvent, l'habitué de la maison. C'est la deuxième fois que nous recevons sur un de nos plateaux et nous commençons à prendre beaucoup de plaisir à cela. C'est toujours avec plaisir que je me rendrai disponible pour venir répondre aux questions du président de ce studio. Justement, très bien. Et déjà, merci hein, pour cette autre publicité que vous faites à notre humble télévision en arborant ce magnifique t-shirt-là qui est très répandu ici même à la maison. Merci vraiment pour cette publicité. Merci pour le geste. Oui. J'avoue que j'ai été très marqué positivement par rapport à l'accueil qui m'a été une fois de plus réservé. D'accord, c'est très bien. Alors, comme on le disait à l'entame de cette émission, vous êtes le directeur général de Go Africa Business. Et avec vous, nous allons parler de l'entrepreneuriat et bien évidemment du tourisme. Le thème va s'afficher au bas de l'écran. L'entrepreneuriat, levier de valorisation du tourisme, c'est une question en fait. Nous sommes en train d'interroger tout simplement le rôle de l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme. Alors, vous qui, dans quelques heures seulement, vous allez avoir la sixième édition du Mercato, du Café du Tourisme. On reviendra là-dessus en deuxième partie de cette émission. Je voudrais vous demander quel est le regard que vous, en tant qu'acteur du domaine du tourisme, quel est le regard que vous portez sur l'état du tourisme camerounais aujourd'hui? Bien, mon regard, je pense que le secteur du tourisme actuellement va mal. Oui. Je ne vous apprends pas qu'il y a eu la Covid qui, au mois de mars, est arrivée et a pratiquement grippé la marche du monde. Bien avant ça, le tourisme n'allait déjà pas bien, surtout dans notre pays. Et je crois qu'il faut faire quelque chose. J'ai envie de saluer tous les efforts que le gouvernement camerounais essaye de faire pour pouvoir relancer ce secteur. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir rattraper déjà le retard qu'on accusait avant la Covid et puis se mettre un peu à niveau par rapport aux autres pays qui, eux, en ce moment, sont en train de réfléchir à comment relancer ce secteur. Justement, Monsieur Biboum, qu'est-ce qui peut justement expliquer aujourd'hui cet état de décrépitude du tourisme camerounais en dehors d'éléments sanitaire que vous avez évoqué lié à la pandémie de la Covid-19, est-ce qu'il y a de façon ciblée, de façon claire, d'autres causes fortes qui plongeraient le tourisme aujourd'hui dans l'état où il se trouve? Pour le cas du Cameroun, que j'aimerais dire que je connais un peu, je pense que le problème se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la volonté. Qui, à mon sens, est partagée. Une volonté politique, certes, mais également une volonté pour les acteurs de véritablement impulser la machine. Parce que, en fait, c'est aux opérateurs du secteur de créer cette dynamique-là autour de l'activité. C'est à eux de proposer des choses au gouvernement pour que maintenant ce gouvernement s'adapte à ces propositions pour pouvoir donc donner des orientations stratégiques qui vont permettre aux deux parties de pouvoir converger vers la même direction. Donc ça c'est d'un. De deux, il faut quand même reconnaître que notre pays est attrayant, notre pays est beau, il a tellement de richesses. Oui. On a souvent dit que c'est l'Afrique en miniature. Mais il manque quand même des infrastructures pour accéder à certains sites. Il manque des établissements d'hébergement pour pouvoir rester dans certains sites qui méritent toute l'attention. Peut-être que j'ajouterai un troisième point, qui est celui de l'absence de culture touristique chez le plus grand nombre de Camerounais. Parce qu'en réalité,
nous devrions d'abord nous-mêmes visiter notre pays. Nous devrions d'abord nous-mêmes aimer découvrir notre pays. Oui. Mais j'observe, je peux me tromper, j'observe que très peu de Camerounais font du tourisme. Peut-être que nous allons de temps en temps nous retrouver individuellement ou avec des amis dans des coins qu'on aimerait bien visiter, mais c'est pas dans toutes les mentalités. Les cas sont isolés. Oui. Et si aujourd'hui on commence à développer une sorte de culture du tourisme, on va se rendre compte que beaucoup de villages seront visités à nouveau. Je reconnais que dans le temps, quand on était plus jeune, on allait beaucoup au village. On allait beaucoup au village pendant les vacances. On y passait quelques temps avant peut-être d'aller dans un autre coin et puis revenir dans le lieu habituel. Bon, vous verrez là que j'ai essayé de définir un peu le tourisme, l'activité touristique. Il faut forcément se déplacer. Donc, à mon avis, ces trois composantes, si on réussit à vraiment mener une réflexion profonde et franche là-dessus, on va commencer à voir les retombées. Très bien. Parlons justement d'avoir des retombées autres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer que l'entrepreneuriat puisse être un levier, puisse être une solution dans le cadre de la valorisation du tourisme? Est-ce que décider de monter sa boîte, son entreprise, peut permettre à l'État de subventionner des gens qui décident de faire des travaux et puis l'entrepreneuriat valorise le tourisme? Est-ce que ça, c'est une solution? Ça fait partie des solutions. Mais peut-être que j'ai une vision qui n'est forcément pas partagée par tout le monde de l'entrepreneuriat. On crée une entreprise pour répondre à un besoin. Un besoin. Oui. Et une fois que vous avez un essai de solution ou bien une réponse, vous devez vous-même vous donner les premiers moyens pour commencer. Mais très souvent, je suis avec des personnes, d'autres personnes qui pensent qu'une fois qu'on a créé de l'entreprise, il faut aller chercher de l'argent, ou bien il faut aller chercher de l'aide, ou il faut aller tout de suite chercher des partenaires pour pouvoir réaliser son activité et répondre aux besoins de la clientèle ou bien de la demande. Moi, je pense que en termes de participation comme levier au développement, oui, c'est une solution, mais il faut que dans les mentalités, qu'on essaie de réfléchir à comment mieux s'insérer dans le monde du travail, dans le monde socio-professionnel, tout en se donnant les moyens propres pour pouvoir avancer un tout petit peu. Oui. Et puis c'est avec les résultats maintenant que nous pouvons convaincre X ou Y partenaires pour pouvoir nous accompagner, y compris bien entendu le gouvernement. Donc, je crois que parfois, on se trompe un peu en pensant que le gouvernement est là pour subventionner, donner de l'argent. Non. Il faut que nous-mêmes, on essaye de faire des efforts pour montrer que nous pouvons apporter des réponses. Et c'est avec l'appui des uns et des autres que nous pourrons donc répondre à une demande un peu plus grande. Justement, parlons de vous, on va revenir là-dessus en deuxième partie de cette émission. On reviendra sur ce que vous, de manière concrète, vous faites pour faire évoluer le secteur du tourisme. Comment est-ce que votre entreprise, soit GoAfrica, soit alors le concept lié au Mercato, comment est-ce que tout cela est mis en place pour favoriser l'éclosion du tourisme camerounais et surtout même africain dans le sens global? Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de Regard d'Afrique Télévision. C'est votre magazine Regard exclusif. On se retrouve juste dans quelques instants. Le temps, bien évidemment, de faire un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans une poussière de secondes pour poursuivre notre entretien avec Monsieur Kléber Luboum. À tout de suite. Chez nous, chaque client est roi. Accueil chaleureux, service de qualité, espace convivial, confort et sérénité. Profitez également des salles de conférence et salles de banquet pour vos différentes cérémonies.
Chez nous, on se sent très vite chez soi. Franco Hôtel, pourquoi vous priver d'un tel bonheur? Chez nous, chaque client est roi. Voilà, de retour sur ce plateau de regard exclusif, toujours en compagnie de Monsieur Kléber Biboum, le directeur général de Go Africa Business et promoteur du Mercato, alors du Café du Tourisme, qui est déjà rendu à sa sixième édition déjà en programmation pour demain. Alors, Monsieur Biboum, de façon claire ou de manière concrète, que faites-vous, vous, dans votre cas, pour faire avancer le tourisme, pour que ce ne soit plus juste des paroles en l'air ou des paroles vaines, hein? De manière concrète, vous dites au Cameroun ce que vous, vous faites. Il faut déjà que j'explique aux Camerounais que je ne suis pas un opérateur du secteur du tourisme. Bien sûr. Je me suis lancé dans cette activité avec une passion démesurée. Oui. Et forcément parce que moi, j'ai eu la chance de développer une culture touristique avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Pour faire une petite anecdote, dans les années 90, nous, on avait toujours des, on appelait ça des caisses oui. en bois. On jetait soit quelques jetait, on petites jetait pièces un là. Peu d'argent. Oui. Et je peux vous dire que cet argent, au bout du compte, n'était pas grand-chose. N'était pas forcément grand-chose. Mais nos parents nous donnaient l'impression que c'est avec cet argent qu'ils organisaient nos vacances. Ah, oui, vous oui, comprenez oui, oui. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas correct de dire des choses comme ça à la télé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une caisse noire dans laquelle de temps en temps, je jette des pièces de 500 francs, de 100 francs. Au bout du compte, parfois m'aide à faire quelque chose. Peut-être plus à voyager parce que maintenant je suis organisé dans oui. la manière de planifier et le travail et mes congés. Donc j'ai toujours cette caisse-là et parfois je la partage avec ceux qui habitent avec moi à la maison, mes enfants ou bien ma compagne. Donc oui. on a tous ce point de rencontre où on jette l'argent de façon désintéressée. Une fois qu'on a cassé, on sait, bon, ok, on a tel montant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est un peu comme cela qu'on devrait aussi planifier l'activité de voyage. On devrait planifier nos vacances en sachant qu'on s'en va découvrir un coin avec tel budget. On ne voyage, on ne fait pas du tourisme sans argent, je suis désolé. Il faut un peu d'argent et cet argent, nous pouvons nous-mêmes l'épargner, l'économiser et aller faire du tourisme. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse oui. pour vous dire que je n'ai pas d'entreprise touristique. J'ai un cabinet qui s'est lancé dans la promotion donc, justement de cette activité. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Quand on a commencé, il y avait beaucoup de passion. Et il n'y avait pas forcément l'intérêt des concernés, c'est-à-dire les opérateurs eux-mêmes. On avait le soutien de l'administration depuis la genèse. On avait quelques partenaires qui nous soutenaient parce que l'idée semblait intéressante. Oui. Et au passage, je voudrais saluer ici Oliver Frank, un partenaire allemand, et Charline Gamo, une de mes partenaires de la première heure, avec qui nous avons travaillé pour les premières éditions de Salon.
Il y a une foire africaine de Hambourg que nous avons organisée en Allemagne au mois de mai 2012. Et c'est là-bas que nous est venue l'idée d'organiser la même chose au Cameroun. Les Camerounais de la diaspora là-bas nous avaient demandé pourquoi est-ce qu'on ne reproduirait pas la même chose chez nous. Chez nous. Comme ça, ça leur permettrait de trouver des bonnes raisons pour aller voir ce que le Cameroun offre. Et nous avons trouvé que c'était pertinent. Alors, nous avons commencé avec une première édition test à Kribi, qui n'a pas été courue, mais on a eu des grosses pointures comme l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, en abrégé ONUDI. On a bénéficié de l'appui institutionnel de la communauté urbaine de Kribi à l'époque, et aussi de la participation de l'ambassade d'Allemagne dans le lobbying, ainsi de suite. Il y avait la police, la délégation générale de la sécurité nationale, autant pour moi, et le CED, le secrétaire d'État à la Défense en charge de l'agenda. Donc on a quand même constitué une petite plateforme, mais qui me semblait, aujourd'hui je peux le dire, être une plateforme de contact, non pas pour développer quelque chose, juste de contact ponctuel. C'est-à-dire qu'on finit cette première édition, ok, oui. On se donne rendez-vous. L'année d'après pour se retrouver et parler des choses telles qu'elles sont. Donc il n'y avait pas vraiment une machine qui s'était mise en branle pour entretenir le contact. Deuxième édition, même test, on a quand même eu là la participation de la société civile. Oui. On a eu une organisation française qui est réputée en matière de tourisme, l'ONG Tourisme Sans Frontières. On a eu des offices de tourisme et c'est là que nous avons commencé à comprendre qu'il faut intéresser d'abord les acteurs, que ce ne soit plus seulement une affaire de passion, qu'il faut intéresser les acteurs. On a organisé un forum ensuite à la Chambre de commerce, qui est aujourd'hui un partenaire privilégié, avec l'ambassade de Tunisie, pour montrer que le Cameroun a tellement de choses à promouvoir par rapport à d'autres pays en Afrique. Mais pourquoi on se posait la question de savoir pourquoi on ne décolle pas? C'est de là qu'est donc partie l'idée d'organiser un grand salon, encore plus grand que les deux précédentes éditions, oui. À Yaoundé. Donc on est parti de Kribi pour Yaoundé. On a organisé la troisième édition du salon Mercatour. Est-ce que jusqu'ici, le gouvernement camerounais a compris la nécessité d'accompagner votre projet? Le gouvernement camerounais a compris depuis la jeunesse. D'accord. Là, je suis honnête envers vous. Le gouvernement camerounais a compris parce qu'il n'y avait pas, un cadre propice à la promotion du tourisme qui soit. Et qu'est-ce qui est fait alors? Qu'est-ce qui est fait de manière concrète? Qu'est-ce que le gouvernement, lui, il apporte à votre initiative? C'est pour ça que je vous disais, je ne regarde pas trop ce que le gouvernement apporte maintenant. Je regarde ce que moi je peux apporter. Parce que jusqu'ici, si j'ai réussi à rester sur mes pieds, ça veut dire que j'ai pu intéresser d'autres personnes. Et c'est ça l'entrepreneur. Lui seul ne peut pas avancer plus loin. Il a besoin d'autres personnes qui vont créer dans ensemble la richesse. Donc le gouvernement, je ne peux pas prétendre dire qu'il n'apporte rien. L'appui institutionnel qu'un gouvernement vous apporte pour tenir un événement, ça n'a pas de prix. Ils ont compris la nécessité depuis le départ. Ils continuent. Peut-être qu'à terme, on verra véritablement un engouement, une assistance un peu plus concrète en termes de matériel ou de finances. Oui, on ne va pas cracher dessus. Mais pour le moment, on est en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Donc, on a organisé cette troisième édition de salon. Et puis, une recommandation qui est sortie une des recommandations phares qui est sortie de ce troisième salon était de créer un autre cadre plus petit de concertation, de réflexion et de projection de comment est-ce que les acteurs du secteur du tourisme eux-mêmes doivent se comporter dans un salon, dans une foire, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Et puis, on a pensé même que dans ces mêmes cafés, on pouvait réfléchir ensemble sur l'organisation du salon. Ce qui fait donc aujourd'hui, entre deux salons,
nous sommes en quelque sorte obligés, parce que maintenant ça ne dépend plus de ma seule structure ou de moi-même, nous sommes obligés de nous retrouver tous les 3 mois pour réfléchir à comment est-ce que nous pouvons résoudre les problématiques qui tirent notre tourisme vers le bas. Qu'est-ce que nous pouvons offrir au monde entier venant de notre pays? Oui. Qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux? Parce qu'on a déjà quelque chose, mais la manière de le présenter, la manière de plus, justement, oui, ça compte beaucoup. Justement, parlant de manière de présenter les choses liées au tourisme, nous savons que le Cameroun va abriter 2 événements majeurs sportifs. Hein. Il y aura le CHAN d'ici 2021, en début 2021, et nous aurons la CAN juste l'année d'après. Comment est-ce que, de façon simple et précise, le Cameroun peut réussir à faire venir beaucoup de personnes dans ce pays et réussir à intéresser le plus grand nombre sur le plan touristique? Qu'est-ce que vous pourrez par exemple conseiller au gouvernement camerounais? C'est quoi les astuces exactement? Est-ce qu'il faut créer des espaces? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? À mon humble avis, je pense que nous avons les moyens d'accueillir du monde. Oui. Mais il faut rassurer le monde qui arrive. Exact. Il faut que les dispositifs avec la COVID, malheureusement encore, peut-être heureusement si on essaie de la saisir comme une opportunité, on doit essayer de rassurer les touristes, les visiteurs par rapport aux dispositifs sanitaires qui seront oui. en place. Ça, c'est très important. Quoique l'Afrique soit le continent le moins touché oui. par cette pandémie, il faut quand même rassurer ceux qui arrivent. Il faut aussi, à mon humble avis, mettre un dispositif de sécurité qui respecte les standards internationaux. Il faut donc maintenant aussi que ce que nous avons déjà comme offre, on puisse l'améliorer en un temps record. Parce que ce n'est plus le temps de dire qu'on va créer ou bien qu'on va aménager. Il faut réhabiliter, il faut rénover, il faut mettre un peu de design dans ce que nous avons déjà. Quitte à ce qu'après le CHAN, on travaille dur pour mieux préparer la CAN. Donc, à chaud comme ça, je pense qu'il faut que le gouvernement, de concert avec le secteur privé naturellement, voit dans quelle mesure le dispositif sanitaire est renforcé, le dispositif sécuritaire est renforcé, l'offre actuelle, présente, existante oui. est améliorée. D'accord. Parlons, on va revenir bien sûr sur le Mercato, la 6e édition. On reviendra sur ce qui sera proposé dès demain à la Chambre de commerce. Juste une petite question avant de marquer une autre pause. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question au Cameroun? Comment est-ce qu'on ne va pas développer le PIB? C'est ça la force du secteur du tourisme. Et je pense aussi qu'il a une particularité parce que c'est la première industrie des services dans le monde. Oui. Dans les pays où le tourisme est développé, vous n'allez pas me dire que le PIB est comparé à celui du Cameroun. Dans les pays où le tourisme est développé, vous voyez qu'il y a une réelle volonté, même pour les populations, à s'impliquer. Et pour qu'une population elle-même se prenne en charge, il faut qu'elle puisse toucher à l'argent. Le tourisme permet aux populations de toucher à l'argent. Il y a des formes de tourisme chez l'habitant. Dans le Cameroun profond, vous pouvez retrouver des groupes de touristes qui vont là-bas parce qu'ils ont besoin de voir la nature, parce qu'ils ont besoin de s'immerger dans la vie des populations. Bon, à mon sens, je crois que c'est peut-être une question qui a beaucoup de réponses, celle que vous m'avez posée. Oui. Il n'y a qu'avec le tourisme aujourd'hui qu'on peut diversifier notre économie et consolider l'augmentation du PIB. Il n'y a qu'avec le secteur du tourisme. Les exportations, les recettes des exportations, je ne suis pas économiste, mais je ne suis pas non plus néophyte. Les recettes des exportations de matières premières depuis la nuit des temps. Où est-ce qu'elles ont mené un pays comme le Cameroun? Elles sont restées insuffisantes. Ça ne suffit pas pour pouvoir relever notre économie.
Donc, il faut penser à des choses, il faut penser à l'industrialisation, certes, oui. mais il faut également penser au développement du secteur du tourisme. En faire toute une industrie qui va permettre aux autres sous-secteurs de s'industrialiser. Très bien. On va marquer une autre courte transition, une courte pause pour se retrouver juste après et parler précisément de cette sixième édition du Salon du Tourisme, le Mercato. Donc, mesdames et messieurs, on se retrouve dans une poussière de seconde, comme tout à l'heure, pour poursuivre notre entretien. Tout de suite. Qualité et innovation, ça continue. En 500 grammes comme en 200 grammes et Ninou, pour la satisfaction de ses consommateurs, les yaourts de lait se mettent à neuf, ayant plus de couleurs et maintiennent leur saveur sans égale. Et ce n'est pas tout. Découvrez les nouveaux venus. 1 kg, la gamme fruitée 100 grammes et les gammes à boire, Olay et Luna. Ils sont si beaux et toujours aussi bons. Dolay, la garantie de la forme. Qualité et innovation. Voilà, de retour à nouveau sur ce plateau. Nous sommes avec M. Kléber Biboum. On s'intéresse maintenant à la sixième édition du salon, voilà, du Mercato. Moi, j'aime souvent appeler ça comme ça directement, le Mercato. À quoi doit-on s'attendre pour cette sixième édition, quand on sait que la cinquième a eu lieu en septembre seulement, c'était ça? Oui, c'est exact. Oui, oui, en septembre. 24 septembre. 24 septembre, exactement. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour cette sixième édition? Bien, cette sixième édition, nous avons pensé à aller voir ce que nous pouvons sortir du Cameroun profond, oui. voir ce que nous pouvons mettre au grand jour dans le Cameroun profond, voir ce que nous pouvons valoriser dans le Cameroun profond, et que cela profite aux populations d'aujourd'hui, mais également à celles de demain. Donc le thème cette fois-ci porte sur tourisme durable et développement local. Tourisme durable et développement local. Local, oui. Mmh. Donc forcément, on va s'attendre à avoir des communications, des ateliers et un petit business talk qui vont parler de comment est-ce que nous pouvons développer le tourisme de façon durable, oui. et aussi de façon à ce qu'il puisse permettre le développement local. Donc on a eu le privilège de bénéficier du patronage du ministère du Tourisme et des Loisirs, qui est le ministère de tutelle. On aura la participation du ministère des Arts et de la Culture, parce que voyez-vous, quand on parle de patrimoine culturel, c'est au ministère des Arts et de la Culture qu'il faut s'adresser et qui ont forcément beaucoup de contenu à nous présenter. On a aussi la participation sans publicité de l'UNESCO, oui. parce que à travers ce café, nous voulons que les communes, ou du moins que le Cameroun lambda, puisse savoir quelles sont les conditions d'éligibilité d'une collectivité territoriale décentralisée pour être éligible, permettez la tautologie, au label de patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez que tous les patrimoines mondiaux ont cette préférence qui fait qu'une commune peut en profiter. Donc on aura la participation de l'UNESCO. On aura aussi, je vous le disais en entrée, un business talk avec des partenaires financiers privés oui. Du Cameroun et de la Fédération de Russie pour voir quel type de partenariat durable on peut mettre sur pied, on peut nouer. Entre les communes, les opérateurs qui ne sont pas oubliés, mais également ces investisseurs, pour que l'activité touristique puisse se développer. Bon, enfin, on va partager un morceau de pain à la camerounaise. Tout naturellement. Voilà, on va, oui. on va
se retrouver au Bois Sainte-Anastasie, qui est un partenaire aussi. Voilà, pour le morceau de pain. D'accord. Quelles sont exactement vos attentes pour ce qui est de ce concept de Mercato? Où est-ce que vous vous voyez dans une dizaine d'années avec cette initiative? C'est une très bonne question. Et ce que je voudrais dire ici, je l'avais déjà dit précédemment lors d'une émission qui a été organisée à Regard Afrique. Oui. La finalité, c'est de faire venir du monde en Afrique. Pas qu'au Cameroun, mais de faire venir du monde en Afrique. Comment y arriver? C'est avec les cafés qui vont nous permettre d'innover, de nous réinventer, de trouver des voies et moyens, des solutions pour pouvoir aguicher notre offre. C'est avec le salon aussi qui va nous permettre donc de mettre en exhibition tout ce que nous avons à offrir. En réalité, j'ai envie de dire en un mot que dans 10 ans, pour moi, je pense que nous aurons atteint nos objectifs si le nombre d'arrivées internationales de touristes augmente de façon crescendo chaque année. Atteindre, pour le cas du Cameroun, atteindre les 10 millions, ce n'est pas impossible. Il y a des pays qui reçoivent plus de visiteurs que la population. Donc, au Cameroun, ce n'est pas possible. Si nous avons déjà 5 millions et plus de Camerounais de la diaspora, ça fait un marché considérable. Ces chiffres nous viennent du ministère des Relations extérieures. Si nous avons 5 millions de Camerounais dans la diaspora et que vous réussissez à faire venir par an même seulement 3 millions, c'est quelque chose. Et ajoutez à ça donc, il y a le marché russe, il y a le marché de la Chine, il y a le marché même américain, sans oublier l'Europe. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec toutes ces devises? Qu'est-ce que nous, les médias, nous pouvons faire pour vous accompagner dans ce cas-là? Comment est-ce que les médias camerounais aujourd'hui, et même africains en général, peuvent participer pour faire venir encore plus de touristes dans notre continent? Je reste persuadé que la force des médias a toute sa place dans la promotion du tourisme. Et je m'excuse devant le président de ce plateau de n'avoir pas pensé aux médias depuis même que nous parlions des difficultés auxquelles nous faisons face. Oui. Parce qu'en termes de difficultés, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas réussi à intéresser véritablement les médias. Qu'est-ce qu'un média gagne à promouvoir le secteur du tourisme? Donc on va mener une réflexion et dans ce sens, un cadre a été créé avec certains d'entre vous qui étiez à la 5e édition du café pour voir justement ce que nous pouvons faire ensemble. Qu'est-ce que vous et nous pouvons faire ensemble de façon à ce que le secteur du tourisme se développe, mais qu'en retour, vous puissiez gagner quelque chose. Pas forcément de l'argent, mais qu'est-ce que nous gagnons véritablement en termes de promotion du secteur du tourisme? Les médias ont une place incontournable. La force d'un média, c'est d'aller toucher les cibles. Nous, nous ne pouvons pas toucher les cibles. On va beau faire des événements, on va organiser des événements, mais s'il n'y a pas les médias pour relayer l'information, pour convaincre le public, parce que le média a aussi cette force-là de convaincre, parce que la référence d'un média par rapport à ce que le hors média peut faire, il y a un très grand fossé. Les médias ont une place très importante dans la promotion du secteur du tourisme. Très bien. Monsieur Biboum, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Donc, on va juste rappeler que demain, la 6e édition du Mercato aura lieu du côté de la Chambre des commerces, ici même à Yaoundé au Cameroun. Est-ce que tout le monde peut se rendre là-bas? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou... Le café est ouvert au public, mais avec les mesures, les dispositions gouvernementales de distanciation sociale, de respect des mesures barrières et tout ça, de restriction même du nombre de personnes lors des rencontres de travail et tout, fait que nous avons limité les effectifs à 40 personnes. Oui. Et ces personnes peuvent nous contacter directement pour pouvoir y participer. Donc on a
pratiquement à ce jour une trentaine de personnes qui ont déjà confirmé leur présence. Donc je crois que demain on sera à plus de 40 personnes. Et... D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un contact, une adresse par laquelle on peut rentrer en contact avec vous? Oui, très souvent nous communiquons l'adresse email. Oui. Qui est info@mercatour.net. info@mercatour.net. C'est ça. Oui, il n'y a pas de contact téléphonique. Téléphonique, oui. 699. Oui, 699. 61. 89. 84. D'accord. Donc voilà, vous avez quelques adresses qui vous permettent d'entrer directement en contact avec M. Kliber Biboum. Peut-être pour une éventuelle septième, pas une éventuelle, une certaine septième édition, peut-être dans un autre pays, toujours au Cameroun, ou... on y réfléchit encore. C'est clair que l'année prochaine, oui, je fais une promesse exclusive à voilà. Le gars d'Afrique. Oui. Nous irons de toutes les manières en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. Oui, dans un pays voisin. Justement. Parce que le Mercatour est appelé à se déporter dans oui. plusieurs pays d'Afrique. C'est le marché du tourisme d'Afrique. Très bien. C'est ça le Mercatour. Là, nous sommes en 2021. Donc, 2021, information exclusive. Hein. Bien sûr, c'est un regard exclusif, tout simplement. Donc, information exclusive. 2021, le Mercatour a lieu. On espère qu'il n'y aura aucun problème. Du côté, tout simplement, de la Guinée équatoriale, dans le pays du président... Ou bien Guéma. Voilà, nous sommes très heureux, hein, bien évidemment, de nous retrouver de ce côté-là pour continuer à valoriser le tourisme. Monsieur Kliber Biboum, on se dit merci. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et rendez-vous déjà demain, dans quelques heures seulement. Demain, 9h30. Oui, demain, 9h30, Chambre des commerces. Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'était votre magazine Regard Exclusif. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois avec une autre célébrité, avec une autre personnalité qui viendra sur ce plateau nous parler encore d'une autre, du monde. On va s'interroger sur une question très importante liée à la vie africaine. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien d'ici là. Vraiment, Dieu bénisse le Cameroun et Dieu bénisse toute l'Afrique. À bientôt.